Hey, salut, c'est Léo. Aujourd'hui, on va parler d'un mode. Un beau mode. Vraiment, rien à dire. Le Tahiti. Le Tahiti mode. Version clone, bien sûr. Vivement que j'ai les moyens de m'acheter des gros matos, hein, franchement. Hein, parce que celui-là, en vrai matos, il doit être quelque chose. Hein. Voilà. Il arrive comme ceci. Dans cette belle boîte. Une sorte de coque de noix de coco. Je ne sais trop. Donc, voici le petit bijou. Donc il arrive, donc il est en 18650, monté en 18350, livré avec une petite sacoche en velours, voilà pour le transport. Donc full cuivre, pin en cuivre, réglable, pin flottant, connectique, donc switch à ressort, rien à dire, vraiment il fonctionne super bien, il est très très beau. Donc pin flottant et réglable bien entendu pour être flush et pour pouvoir se mettre comme il faut sur sa batterie. Voilà, ça bouge pas, vous pouvez y aller. Donc un petit dessin, ça a l'air d'être du bois. Ou peut-être un plastique, je ne sais trop en fait. C'est un clone 1-1. Donc il est très bien. La seule petite que je mettrais, ça serait sur le switch. Donc il est bien, hein, mais il a tendance à se desserrer. Ouais. Petite maladie des modes méca, quand ce système de bague là que vous dévissez, vous revissez, vous avez tendance à toucher votre switch. Et il vient se dévisser, quoi. Ça, c'est un petit peu chiant, quoi. Mais autrement, il fonctionne super bien. Je vais vous le mettre en route avec. Oui, je viens de faire la vidéo en même temps. Avec le petit Mephisto qui va, je trouve, super bien avec. Voilà. Donc, ça fait un très beau setup. Voilà, full cuivre. Donc, le switch, oh, ça fonctionne nickel, hein. C'est tout en cuivre, donc il n'y a rien à dire. Et le petit avantage, hein, hop, vous partez, vous mettez votre petite sacocoche, schlac, vous pouvez même laisser le drip avec, hein, le dripper avec, voilà, vous fermez les airs, hein, et vous transportez ça dans votre petite sac à main, madame, ou dans votre sacoche, monsieur, voilà, c'est comme vous le sentez. Personnellement, je l'ai trouvé très beau, voilà. Je l'ai trouvé super chouette, rien à dire. Vraiment full cuivre, la boîte est super sympa. Vraiment, rien à dire quoi. Très beau mode, vraiment, rien à dire. Donc reçu encore grâce à moi-même. Et ouais, parce que si je veux du matos, eh ben, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des commandes groupées. Parce qu'on m'en envoie pas tous les jours et même carrément on m'en envoie pas. Donc oui, c'est un clone. Malheureusement, peut-être qu'un jour GP Custom, on verra un modèle histoire que je puisse tester et comparer justement. C'est ce que j'aimerais faire, pouvoir les comparer en fait ces clones et ce qui prouve un peu leur prix et leur qualité de montage et tout ça quoi. Donc on voit bien la différence. Tahiti mode. Très bon clone, rien à dire. Belle boîte, petite sacoche, commande de Néo. Que dire de plus? Eh ben rien. Bonne journée et bonne vape.